C'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de lire un livre ou alors un long article dans votre revue préférée? Est-ce que vos habitudes de lecture gravitent plutôt autour de Facebook, de Twitter ou de la liste d'ingrédients de votre soupe instantanée? Si vous faites partie des nombreuses personnes qui n'ont pas l'habitude de lire tous les jours, vous passez à côté de beaucoup de bienfaits. Dans cette vidéo, nous verrons les 10 bienfaits de la lecture quotidienne. Stimule le cerveau. Plusieurs études indiquent que la stimulation mentale peut ralentir l'évolution, et peut-être même l'arrêter complètement, de la maladie d'Alzheimer et de la démence. La raison est simple, garder son cerveau actif l'empêche de perdre ses capacités. Comme tous les autres muscles du corps, le cerveau a besoin d'entraînement pour rester vigoureux et en bonne santé. La règle « on s'en sert ou on le perd » s'applique parfaitement en ce qui concerne notre cerveau. Du coup, les jeux qui stimulent notre intellect, comme les puzzles ou les échecs, sont aussi bénéfiques à la santé de notre cerveau. Diminue le stress. Que ce soit du stress lié au boulot ou à des soucis liés à votre quotidien, peu importe, la lecture diminue notre état d'anxiété. Un roman peut tout simplement nous transporter dans une autre dimension. Un article intéressant peut nous distraire. La lecture a la capacité d'alléger notre anxiété et de nous détendre complètement. Améliore les connaissances. Quand on lit, on remplit notre cerveau avec des nouvelles informations et on ne sait jamais quand elles nous seront utiles. Plus on a de connaissances, mieux on est équipé pour affronter des nouveaux défis. Voici pour vous matière à réflexion. Si vous êtes amené à tout perdre dans votre vie, votre emploi, vos biens et même votre santé, souvenez-vous qu'on ne pourra jamais vous retirer votre savoir et vos connaissances. Accroît le vocabulaire. C'est un bienfait étroitement lié à la connaissance, plus on lit, plus on découvre de nouveaux mots et plus il y a de chances de les employer dans son langage quotidien. S'exprimer de manière éloquente et précise est un précieux atout professionnel. Être capable de communiquer avec ses supérieurs en ayant confiance en soi est un excellent moyen d'améliorer son estime de soi. Enrichir son vocabulaire peut même faire avancer sa carrière. En effet, les personnes instruites, éloquentes et ayant des connaissances sur plein de sujets différents ont plus de chances d'être promues que les personnes qui possèdent un vocabulaire plus restreint et ont peu de connaissances en littérature, sur les avancées scientifiques et les actualités mondiales. La lecture a aussi un effet bénéfique pour apprendre une langue étrangère. Lire un livre dans une autre langue permet de voir des mots utilisés dans leur contexte. Cela améliore aussi bien l'écrit que l'oral. Améliore la mémoire. Pour bien comprendre un livre, on doit se rappeler d'une multitude d'informations, les personnages, leur passé, leurs intentions, leur vécu, puis les nuances, et toutes les actions secondaires qui s'entremêlent à l'action principale. Ça représente beaucoup d'informations à retenir, mais le cerveau est un organe miraculeux qui va s'en souvenir avec une aisance surprenante. Le plus épatant est que chaque fois que l'on forme une nouvelle mémoire, on crée de nouvelles synapses et on solidifie les synapses existantes. Ça veut dire que la lecture, en formant de nouvelles mémoires, va augmenter nos capacités de rétention de mémoire à court terme et a un effet régulateur sur notre humeur. Développe les capacités d'analyse. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un bon roman policier et de deviner qui était l'assassin avant même la fin du livre ? Si c'est le cas, vous avez fait preuve de bonnes aptitudes critiques et analytiques, vous avez synthétisé tous les détails fournis pour faire un vrai travail de détective. Cette capacité d'analyse des détails est également bénéfique pour critiquer l'action d'un livre, on peut juger s'il est bien écrit, si les personnages sont bien développés, si l'intrigue se déroule de manière fluide, etc. Si un jour vous devez échanger votre avis sur un livre avec une autre personne, cette capacité d'analyse va vous permettre d'exprimer votre avis de manière claire. Pourquoi ? Car vous aurez analysé et critiqué intérieurement les détails pertinents pendant votre lecture. Améliore l'attention et la concentration. Dans nos sociétés qui gravitent autour d'Internet et du « multitâche », notre capacité à nous concentrer est attaquée de toutes parts. En 5 minutes de temps, l'individu moyen va diviser son temps entre travailler sur une tâche, vérifier ses courriers électroniques, échanger des messages avec plusieurs personnes simultanément, lire son compte Twitter, vérifier son smartphone et tenir une conversation avec ses collègues. Ce comportement hyperactif génère du stress et ralentit la productivité. Quand on lit un livre, c'est tout le contraire. Toute notre attention est dirigée vers l'intrigue de l'ouvrage. C'est comme si le reste du monde se dissolvait et qu'on pouvait plonger complètement dans les détails du récit. Le matin, essayez 15 à 20 minutes de lecture avant d'aller au boulot, dans le bus ou dans le métro, par exemple. Vous allez être surpris par l'effet positif que ça va avoir sur votre niveau de concentration, une fois au travail. Améliore la rédaction. Mieux écrire va de pair avec enrichir son vocabulaire. La lecture d'œuvres publiées et bien écrites va avoir un effet notoire sur votre propre style de rédaction. Observer la cadence, la fluidité et le style d'autres auteurs va inévitablement influencer votre propre manière d'écrire. De la même façon que les musiciens ont une influence sur la musique de leurs confrères et que les peintres s'inspirent de la technique des maîtres, les écrivains créent des récits en s'inspirant du travail d'autres auteurs. Tranquillise l'esprit. À la base, la lecture est synonyme de relaxation.
Mais au-delà de cette qualité reconnue, la thématique d'un livre peut aussi nous apporter la tranquillité d'esprit et une paix intérieure considérable. En effet, la lecture de textes spirituels peut faire baisser la tension artérielle et suscite un sentiment de calme. De plus, il a été démontré que les livres de développement personnel peuvent aider les personnes qui souffrent de certains troubles de l'humeur et de formes légères de maladies mentales. Un divertissement gratuit. La plupart des gens aiment bien posséder le livre qu'ils lisent pour pouvoir y noter des commentaires à l'intérieur ou alors marquer les pages intéressantes. Mais, les livres peuvent être coûteux. Pour profiter d'un divertissement vraiment peu cher, vous pouvez visiter votre médiathèque de quartier et découvrir les tomes innombrables qui y sont disponibles, gratuitement. Les médiathèques proposent des ouvrages sur tous les sujets imaginables. Et, puisqu'elles font régulièrement tourner leur stock et qu'il y a souvent de nouveaux arrivages, elles sont véritablement une source inépuisable de divertissement. Si, par un malheureux hasard, vous habitez dans un endroit sans bibliothèque ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez que la plupart des médiathèques proposent un e-service pour télécharger les livres en format PDF sur votre liseuse, iPad ou ordinateur. De plus, il existe aussi plusieurs sites de téléchargement gratuit d'ouvrages. Alors, qu'attendez-vous pour les explorer ? Il existe un genre littéraire adapté à chaque personne qui sait lire et écrire. Peu importe votre préférence, la littérature classique, la poésie, les revues de mode, les biographies, les textes spirituels ou les livres de développement personnel, etc. Il y aura toujours un ouvrage qui va complètement captiver votre attention et votre imagination. Vous ne pensez pas qu'il est temps d'éteindre votre ordi, mettre votre téléphone en mode silencieux et de prendre un petit moment pour ressourcer votre âme ? Si vous avez des conseils qui n'ont pas été mentionnés dans cette vidéo, sentez-vous libre de les partager en commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime, cela m'aide grandement. Pour voir d'autres vidéos dans ce genre, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.